y a trois classes réunies sur ce jeu. On vous demande, sur ce jeu, de rencontrer uniquement les enfants des deux autres classes. Parce que les enfants de Covigny ne peuvent pas se rencontrer entre eux. Vous êtes obligés de rencontrer les enfants de Lalande ou de Puiseux. D'accord ? Les enfants de Puiseux, vous ne pouvez pas rencontrer les copains de Puiseux, mais vous pouvez rencontrer les enfants de Lalande ou de Covigny. Non, la gagnante, non, non. Montez à ce temps deuxième. Ah, d'accord. D'accord, on monte comme ça. D'accord, viens avec moi. Cet atelier-là, c'est des combats artistiques. C'est-à-dire, c'est pas pareil, c'est pas des vrais arts, c'est juste pour faire semblant en jouant un personnage. Un personnage, et puis raconter une histoire. On est dans la peau d'un personnage, on raconte une histoire en geste. Donc c'est toujours un combat, puisque c'est de l'esprit, c'est un combat, mais simulé. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Nous faisons de l'escrime à Covigny. Nous apprenons beaucoup de choses sur l'escrime, l'équipement, le sabre. Aussi, on apprend qu'on doit avoir une veste, un casque. Le casque va nous servir à nous protéger la tête. Du nain qui s'appelle le fleuret. Au bout du fleuret, il y a une mouche, c'est avec lequel on touche sur des petites cibles qu'on a sur une veste. Et ensuite, on doit essayer de se toucher en faisant des feintes. Et aussi, il faut qu'on aille très vite parce qu'après, si on ne fait pas assez vite, l'autre il pourra nous toucher juste après. Moi, j'ai préféré quand on faisait les exercices d'escrime avant qu'on soit ici. Et bah, ça a été le jeu de la chaussette parce qu'on faisait beaucoup de combats, donc ça nous faisait nous entraîner pour plus tard si on veut faire des tournois d'escrime. Et aussi, ça nous aide pour l'arbitrage si on veut être arbitre dans l'escrime. Donc, j'ai trouvé que l'escrime, c'était très bien. On apprenait beaucoup de choses, comme qu'il n'y avait pas que l'escrime normal. On pouvait faire de l'escrime en faisant de l'art, avec des sabres, on se déguisait en gardien cardinal, en mousquetaire, en pirate, en mexicain, en zorro. Et après, on faisait une petite scène devant les autres. Et après, ça nous entraînait si on veut aussi faire. De l'escrime en art, pas plus tard. Allez,
toucher sur ma balcon. Quoi ? Moi, en tant que parent, donc j'ai effectivement eu la chance de pouvoir accompagner la classe de ma fille. Donc j'ai commencé la première séance d'escrime avec la classe. J'ai effectivement appris plein de choses. Je me suis rendu compte que c'était un sport très intéressant, qui développait effectivement pas mal de sens au niveau des enfants, hein, qui leur a appris énormément de choses. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient énormément progressé, ils avaient bien pris, bien pris conscience des règles de sécurité, des positions. Très, très intéressant, très enrichissant pour les enfants. Un sport qu'on ne connaît pas toujours, parce qu'effectivement, mis à part les sports connus, plus couramment pratiqués par les enfants, l'escrime fait partie des sports assez méconnus, qui, je pense, a dû satisfaire la majeure partie des élèves de la classe. Parce qu'on a, effectivement, même au niveau de ma fille, j'ai eu un retour très, très positif, très motivé, donc très, très enrichissant à tous les niveaux.